Les 7 prophéties de William Marion Branham, un regard vers l'avenir. Et si un homme pouvait prédire avec précision l'avenir, non pas une ou deux fois, mais à 7 reprises? William Marion Branham, un prédicateur charismatique du XXe siècle, a déclaré avoir reçu des visions prophétiques qui révèlent des événements clés du destin de l'humanité. Ces prophéties, connues sous le nom des « 7 prophéties de Branham », fascinent et intriguent encore aujourd'hui. Mais que révèlent vraiment ces visions, et comment influencent-elles notre compréhension du monde actuel? En 1933, William Marion Branham a affirmé avoir reçu une série de visions qui lui montreraient l'avenir du monde. Ces prophéties, couvrant un large éventail de sujets, de la montée et de la chute des régimes politiques à l'évolution de la technologie et aux bouleversements sociaux, semblent incroyablement précises pour beaucoup de ses partisans. Parmi ces prédictions, on trouve des événements tels que l'ascension d'Adolf Hitler, la chute de Mussolini, et même la montée du communisme mondial. Branham a également prédit que l'Amérique serait consumée par une guerre civile morale, marquée par une crise de valeurs et de croyances. Certaines des prophéties de Branham semblent également annoncer des avancées technologiques stupéfiantes. Il a prédit l'invention d'une voiture sans conducteur, ce qui, à son époque, semblait appartenir au domaine de la science-fiction. Aujourd'hui, avec les développements rapides dans le domaine de l'intelligence artificielle et des véhicules autonomes, cette vision semble presque prophétique. Mais la prophétie la plus troublante de Branham concerne la fin des temps. Il a prédit que la Terre serait détruite par une grande catastrophe nucléaire, marquant la fin de l'ère actuelle et l'avènement d'un nouveau monde. Cette vision apocalyptique nous laisse face à une question essentielle: comment devrions-nous réagir face à ces avertissements? Pour comprendre ces prophéties, il est crucial de ne pas les voir comme des fatalités, mais comme des appels à la réflexion et à l'action. Peut-être, en examinant les erreurs du passé et les défis du présent, pouvons-nous éviter un avenir de destruction. Les prophéties de Branham nous invitent à explorer les voies de la rédemption, du repentir et de la préparation spirituelle. Croyez-vous que les prophéties de William Marion Branham sont en train de se réaliser? Comment interprétez-vous ces visions mystérieuses? Partagez vos réflexions et engageons-nous dans ce débat fascinant.